Ladies and gentlemen, please start your engines. Salut, allez, nouveau calendrier pour LMU. Donc on se retrouve sur une nouvelle course forcément en beginner. Et on est parti pour 16 minutes avec les GTE sur Monza. La fameuse Monza. Donc, je suis très loin, hein, je suis 15 ou 16e. Donc je suis pas là du tout pour me battre sur le devant de la scène. J'aime bien tester différentes voitures. Et là, en l'occurrence, c'est l'Aston Martin. L'Aston Martin qui, vous voyez, elle est jolie. Hein, mais en termes de BOP, je crois qu'il y a un petit souci. Elle est loin, mais elle est loin, mais elle est loin. C'est pas possible. Je suis seul d'ailleurs à la prendre. Je suis pas sûr quel speed je suis. Je pense même pas qu'on puisse savoir exactement. Mais le fait est que... Ouais, faut oser. Hein. Donc il y a énormément de Ferrari, comme vous pouvez le voir. Quelques Corvettes bien placées. Une ou deux Porsche. Et une seule Aston. C'est la mienne. Bon, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Et essayer de sortir le meilleur de cette caisse. Même si... Ça va pas être simple. Bon, est-ce que ça va se lancer? Il reste 40 secondes. Donc le carburant n'a toujours pas réussi, c'est-à-dire qu'il me met à chaque fois le plein. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je mets à chaque fois le nombre de volume qu'il faut exactement. Ça ne marche pas. Autre petit bug que j'ai pu voir, c'est que les rétros à chaque nouvelle session, ils se désynchronisent. Il faut juste que je rappuie sur les touches pour pouvoir les régler de nouveau. À part ça, le reste, je pense que c'est ok. Il n'y a pas d'autres problèmes. Bon, allez, on est parti. 12 secondes. Donc c'est un tout petit départ lancé, entre guillemets. Vous allez voir la parabolique juste là. Et après, c'est plein pot. Touché sur le départ. Allez. Ça fait attention. Temporiser un peu. Green flag, let's go. Alors, est-ce que ça va être le carnage? Regardez la Porsche, la petite verte là. Le froid. Hein. Ça a été relativement sage, même si bon, il y en a certains qui ont essayé de faire le forcing. On va la checker, hein, la Porsche verte. Donc, quasiment deux tours pour chauffer les pneus. Nous, du coup, tout fonctionne, hein, vous venez d'entendre, c'est Crouchif, qui est en bêta, mais... fonctionne bien. On se montre un petit peu. Oh, le petit lac des familles. Du coup, la Ferrari derrière, elle a pris un petit peu plus d'ascendant sur moi. Juste là, dans mon angle mort. Je vous rappelle qu'il y a du rating, hein. Ça fait moins mal de... Ah bah il s'est tué. De perdre une place que de perdre... que de sortir et de se faire défoncer. Hein. Un bon endroit. Donc, 15e, j'ai gagné une ou deux places. Quasiment pas d'aileron, mais pourtant je me fais déposer. Derrière, il a 3 dixièmes, devant quasiment une seconde. Statu quo. Il y a de la couleur devant. 13 minutes.
Alors j'ai essayé de vous mettre une caméra un petit peu différente de d'habitude, pour qu'il y ait un peu plus de lisibilité, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient également. Donc comme dit, tout fonctionne, crew chief, C-Mob, le dynamique, donc c'est magnifique. Ça fait deux fois que le lag se produit au même endroit, ce qui me fait louper mon freinage. Oula, derrière. Attaque. Ah, je me méfie. Ouais, c'est une fessée. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et un dixième, il va forcément me prendre. Non, il a été gentil. Alors en TC, je vais descendre un petit peu pour essayer d'avoir un peu plus de relance. Il faut que je me batte quelque part parce que en puissance brute. Il n'y a pas moyen. Ah là, il me prend. Non, non, je vais pas défendre. On va essayer de me sortir. Pas perdre de temps. Perdre un peu de temps parce que là déjà c'est chaud, le mec il double dans l'herbe. Peut-être en profiter. Je t'ai vu grand, je t'avais vu. Je t'avais vu ton frein. Ton frein très très limite. Sérieusement, je l'ai vu avec le triple screen, avec le champ de vision sur le côté. Sinon, j'aurais eu peut-être du mal à l'esquiver. Oh, s'allume. Oh, la verte. Par contre, les sons. Elle est juste top. Hein. Ouais, 11e. Bon, le top 10, il va être compliqué, mais on essaye de se tenir à ce qu'on peut. Toujours me faire le frein derrière, ça va mal finir cette histoire. Allez, moins de 10 minutes. Il y a eu un succès les gars, ouais. On fait 500 miles sur LMU. Incroyable. Je sais pas combien d'heures de jeu je suis. J'ai pas encore fait le tour des combos. Enfin, bon, forcément je suis encore que en beginner donc. Allez, un Féfé, il faudrait que je la chope pour être dans le top 10. Ce serait pas mal. Il faudrait gagner pas mal de points. Ouais, je suis concentré. Mais... Il n'a pas l'air totalement serein non plus, lui.
deuxième. Il va tenter le frein, c'est obligé. C'est obligé. Ah, t'as joué, t'as perdu. Bon, au moins, il a laissé la place. On peut pas lui dire. Là, je dois pouvoir le reprendre. Il y a 6 dixièmes. Faut pas que je me laisse rattraper non plus par derrière. C'est limite là. Allez, un petit peu d'espi. 5 dixièmes. Ici au frein, il allume un peu. Ouais. Lap 150.05. Ah, je me fais bouffer. J'ai une citerne accrochée derrière au niveau de l'essence et j'espère vraiment que c'est pareil pour tout le monde ou si c'est pas encore un bug parce que forcément. Allez Pélis, j'avais vu qu'il était un petit peu incertain sur ses freins. Allez, la Corvette derrière, elle est à 5 dixièmes, toujours pareil. Un peu trompeur. Hein. Le rétro virtuel en haut. On va essayer de le contenir, mais voilà, ça va pas être simple. Allez, la parabolique, faut que je la prenne assez vite, assez rapide. Pas trop de frein. Parce que sinon derrière il me bouffe. Le dixième, c'est mort. Time 150.98. On va protéger là, hein, c'est mort. Regarde-moi ça. C'est dommage, hein. Tu peux pas de patte comme ça, c'est un peu pénible. Après, c'est peut-être moi que je suis mauvais. Hein. Alors, c'est pas exclu, mais là, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de pouvoir faire grand chose. Ah. Team Ninja, je vous l'avais dit. Oh, les deux spins de Corvette là. Allez, c'est bon. Se méfier parce qu'il y en a encore deux derrière. Il reste encore 3 minutes 30 donc focus devant.
Là, je suis trop lent sur cette portion. Beaucoup trop lent. On a pris 3 dixièmes en un seul freinage. Compliqué, hein. Objectivement, déjà là, est-ce qu'il va pas y aller? Ouais. Pour moi, il est trop loin. On voit pas, il a quelqu'un derrière également, donc il doit aussi jouer avec ça. Ça va peut-être me sauver. 2 minutes 20, ça doit être 2 tours, ça. Je reste là, grand. Prends-moi si tu veux à l'inter, mais moi je reste là, moi. Lap 150.19. Pas le bloquer, hein. Mais il me dépose. Peut-être essayer de les croiser. Il y a la Porsche derrière, donc là pour l'instant il est dans le top 10. Ça doit être le dernier tour, donc on va pas faire de conneries. On freinage. Je vais garder ma 10e place. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un peu sorti. P10, ce sera vraiment pas mal, là en l'occurrence, lui devant je vais pas le reprendre, mais vous voyez, bon, on s'y amuse, une bonne course, alors je dis pas que c'est toujours très propre, mais bon, on est aussi en beginner, donc on voit de tout, hein. Mais dans l'ensemble, on a vu bien pire, voilà, terminé, P10. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course, ce que vous pensez de ce LMU, hein, depuis maintenant qu'il est sorti. Je pense que tout le monde a eu le temps de se faire un petit avis sur cette Early Access. Encore un trophée. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve comme d'hab dans les commentaires pour en parler. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss.